Il faisait déjà l'acteur dans Primrose de Robert de Bless. C'est vraiment beau, la place. Le buste là, c'est tout à fait lui. Vous me l'avez bien fait. On a envie de lui passer les mains dans la pochette. On peut lui faire des trucs qu'on pourrait pas lui faire maintenant qu'il est en plâtre. S'il avait su une statue de plâtre sur la place de Saint-Brieuc, ah, il aurait haussé les épaules avec ses yeux-là, mais ça lui aurait fait plaisir. C'est pas tout le monde qui a un rond-point. Ça lui va bien, le rond-point. On peut le voir de partout. Des fientes. Même mort, il en reçoit encore des fientes. Il y en a toujours pour nous chier dessus. Faut pas t'en faire. Je lui disais ça, Patrick. Faut pas t'en faire, c'est des jaloux. Merci. Merci, madame la mère. Merci, les femmes. Merci, les cinéphiles. Merci à tous ceux qui me le rallient. Lui qui a tant animé, un animateur de rôle. Voilà ce qu'il était. Tous les rôles, il leur donnait un truc. Tu te souviens de Série Noire, quand il cognait sa tête contre le capot de la voiture? Et quand il se fait, quand il rit avec Depardieu dans les valseuses? T'as vu les films? Il était emporté. Emporté et empoté, mon fils. Toujours les deux faces, ou mille faces, un kaléidoscope, mon fils. Jamais avant lui que rien de pareil. Tu vois ça, Patrick? T'es content? J'aimerais que tous et toutes vous applaudissiez Patrick de là-haut. Patrick! Merci. Je suis sûre que là-haut, ça va lui faire plaisir. Avec tout ce qu'il a foiré, il attend. Je le connais, même mort, il attend la reconnaissance du métier. Vous savez, je suis actrice aussi. Je lui ai passé le virus. Quand il est né, il s'est mis à neiger à Saint-Brieuc. Vous imaginez? Ah, je jouais au théâtre. Ici même, dans ce théâtre, j'ai accouché dans les coulisses. Et mes fils, j'avais deux fils, ont tout de suite crié « On a un petit frère! On a un petit frère !» Et tout le public applaudit. Il a été aimé dès le début, Patrick. Fantastique. Il a été fantastiquement aimé, mon fils. Série Noire, c'est ce qu'il a le plus abîmé. T'as vu la tête qu'il a sur cette affiche et placardée partout en France avec cette tête? Il y a des choses quand même on n'aime pas voir. Quand il se fait enculer par Depardieu, tu te souviens? Depardieu dans la salle de bain. Enfin, je dis ça, c'est son personnage, hein. Mais quand même, j'ai pas aimé. Même si vous voyez pas la scène, les seins de Mumiou, ça va, mais même pas voir mon fils se faire enculer, ça m'a pas plu. Même si on est une famille de fantaisistes, il y a des limites, hein. Tu vois, j'ai donné vie à Patrick ici dans ce théâtre. Et lui, il a donné vie à un torero, un juge, un footballeur, un beau-père, des paumés, un junkie. Il fécondait l'écran, Patrick. Mon fils qui s'est tiré une balle dans la bouche devant un miroir au mois de juillet 1982 en pleine chaleur, en plein soleil, il s'est tué, mon fils. Toute la merde qu'on a pu entendre avec la carabine de son pote. Il n'y avait pas d'alcool, pas de drogue. Il n'y avait rien dans son sang. T'entends ça? Il n'y avait rien dans le sang de mon fils. Il était clean, mon fils. Mon sang est le sang de mon amour qui s'est barré. Patrick, c'était l'amour et moi. C'est pas autre chose qui l'a tué. Je sais plus ce que je dis. Arrêtez de prendre des notes. C'est vous qui me faites dire des trucs, là. Avec vos caméras, vos trucs pour la télé. Patrick, t'as vu cette place?
elle est pour toi. C'est Saint-Brieuc, mais c'est partout. C'est partout ta place, Patrick. Patrick ? C'est maman ? Si tu nous entends, neige, Patrick. Neige si tu nous entends. C'est Patrick Devers, mon fils. Vous savez qui c'était, Patrick? Vous savez même pas qui c'était, Patrick? Ils savent même pas qui t'es. Gabin, Ventura, Figé, le patriarcal, et lui, tous les hommes, du plus viril au plus fragile. Il portait en lui toute la gamme. Un piano, mon fils. Il y en a qui disent le truc. Le truc qu'on lui aurait fait. Moi, je dis, le truc aurait très bien pu ne pas arriver. Il aurait quand même eu cette envie de mourir. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est la mort que j'ai portée dans mon ventre. Un suaire, Saint-Brieuc, quand il est né. Et qui est pour s'en soucier de ma douleur? Tout le monde se soucie de savoir d'où vient la douleur de Patrick, et moi rien? Pourquoi vous m'arrêtez pas? Je me dis, arrête Mado, ils vont m'arrêter. Vous allez m'arrêter? Vous allez pas me laisser couler comme Patrick? Vous êtes là avec vos caméras et vous laissez couler? Pourquoi vous coupez pas? Vous voyez pas qu'il faut me couper? Coupez! Coupez la vieille quand elle dit. J'aime mes enfants, mais j'aime surtout qu'ils soient acteurs. Dehors la vieille! Quand elle nous pince pour qu'on pleure dans les publicités. Quand à 8 ans, je joue procès de famille dans un théâtre privé. Coupez! Quand à 9 ans, je joue à Paris, Amsterdam ou ailleurs. Quand j'aime pas faire l'acteur. De toute façon, j'étais nul. Dès le départ, j'étais mauvais, un raté. Et j'étais le moins doué de mes frères. Coupez! Quand dans le miroir, tu ressembles pas trop à tes frères. Coupez! Quand tu dis pour rire comme ça, malicieusement. Mes parents, ils m'ont trouvé dans une poubelle. Oh, c'est bon! Quand tu suis les coups de Raymond Girard, professeur du conservatoire. Ouh! Quand t'es régalé au conservatoire. Remboursé! Quand tu joues dans des films pour la téloche. Coupé! Quand tu refuses d'être doublé pour les cascades. Bravo, Patrick! Quand je suis une starlette de la télé. Quand c'est dans cet état qu'on te rencontre. Un peu trop nu. Qui parle? Les acteurs, fondateurs, constructeurs du Café de la Gare. Quand tu décides de changer de nom et de porter une moustache. Incognito des verres. Quand tu gagnes ta vie comme livreur en vendant des réfrigérateurs. Quand t'as pas un rond. Quand tu traînes. Quand c'est mai 68. Quand il y a une putain d'ambiance. Quand tu te fais matraquer par un flic. Quand tu te barres en Tchécoslovaquie avec Sota. En plein printemps de Prague. Quand à Paris, tu rencontres toute la bande du Café de la Gare. Ouais. Ah, ma famille. Ma vraie famille. On n'était pas politique. On faisait de la politique. Et donc, vous couchez tous ensemble? L'époque était tellement figée, faut le dire ça aussi. On mourait d'ennui au théâtre. Il n'y avait pas de metteur en scène et ça, c'est hyper important. Tu vois, l'acteur, il invente, il impose son truc. Et ça, c'est super. Et ça change tout. T'envoies là des acteurs, ils exécutent. Eh ben nous, c'est pas ça. Et puis, il n'y avait personne pour nous massacrer. Il n'y avait personne pour nous dire, là, t'as fait une grosse merde. Patrick, c'est là qu'il est né. Au début, il était un peu serré comme ça. Il prenait des poses de conservatoire. Un jour, le public a ri. Il a compris qu'il pouvait faire rire. Oh, Coluche, il était toujours un peu devant, un peu solo. Il nous piquait des trucs pour ses sketchs. Pourquoi tu baves sur Coluche? Le Café de la Gare, c'était l'incontournable. Tout le monde venait nous voir.
Blier, il venait d'écrire Les Valseuses. Une tuerie, ce bouquin. Gérard avait été pris pour le rôle de Jean-Claude. Blier cherchait toujours son Pierrot. Et moi, j'étais Pierrot. Je le sentais vachement, le rôle. Miu Miu, elle a été prise pour Marie-Ange. T'es Miu Miu? Oui. La chance. Oh, j'adore ce couple. Le rôle de Pierrot, elle était dessus le coup. Coluche et moi. Pourvu que ce soit pas Coluche. Patrick! Il bliait, il voulait foutre la main au paquet de la France. Et bien serré. Il voulait un truc pour la faire dérailler, la France. Et moi, je sentais que je l'avais, ce truc. La France qui déraille. Je sentais que je l'incarnais parfaitement. Et je me suis dit, faut qu'il voit ça, Bertrand. Tu es Pierrot, tu vois, c'est toi. C'est ton rôle. Il y a un rôle que tu ne peux pas louper, Patrick. C'est Pierrot. C'est moi. Il est à moi, ce rôle. C'est moi, Pierrot. T'entends ça, Miu Miu? Vous entendez ça? C'est moi. C'est moi, Pierrot. Personne ne me le pique. S'il y en a un qui me pique, Pierrot, je suis Pierrot. Gérard a le rôle. Je ne peux pas laisser Miu Miu seul avec Gérard. Miu Miu? T'imagines si Gérard a le rôle avec Coluche et pas moi? T'imagines si c'est Coluche qui est à ma place? Si c'est Coluche qui te fait des trucs à ma place? C'est un rôle, Patrick. C'est mon rôle. Je veux pas qu'il te fasse. Il m'a déjà fait. Justement, on sait pas ce que ça peut refaire. Tu fais pas confiance à Coluche? Pas du tout. C'est mon pote, Coluche. Pourquoi tu t'énerves? Justement, parce que c'est un pote. Un pote, c'est un pote. Un pote, ça te pique pas des trucs. Il va pas me prendre le rôle. J'ai rêvé qu'il me prenait le rôle. Calme-toi. Tu me trouves chiant? Je suis chiant. Je suis hyper chiant. Je vais pas avoir le rôle. Tu vas avoir le rôle. Calme-toi. Tu vas pas l'avoir si t'es stressé comme ça. Cool. Faut être cool. T'as raison. T'étais pas du tout stressé comme ça. J'étais comment? T'étais cool. Tu savais que t'aurais le rôle. Tu étais le rôle. C'était comme ça. Fallait que tu l'aies. T'avais le rôle. T'as foncé. T'as foncé chez Billy. J'ai foncé chez Bertrand, j'ai fait ça. Tu savais qu'il serait bon pour toi, tu t'es fourré sous son aile. Je me suis fourré sous l'aile de Blier. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je m'entraîne. Pourquoi? Pour le rôle. Et celui-là, il est pour la vie, celui-là? Pour tout, il est pour tout. Les cas, c'était plus compliqué. Gérard, il est venu plusieurs fois dans mon bureau.
Il venait avec des blousons de bar, des vestes de blazer pour le bowling. Le producteur, il aimait pas, il me disait, une tête pareille, il va pas plaire aux femmes. Miu Miu, elle était drôlement bien gaulée, et moi je coupe des haricots. Patrick, je l'aimais beaucoup. Tout le monde l'aimait beaucoup. J'avais vu dans les films de la télé, il était un peu coincé dans les rôles de jeune premier. Ben, toute la France était coincée dans un truc, ça commençait à craquer de partout. On n'en pouvait plus, des gabins à l'écran, des Alfa Romeo, toujours les mêmes gueules, Giscard, Pompidou. Fallait que ça déraille. Patrick, il l'avait, ça, ce truc qui déraille. Je l'ai, ce truc. Mais ça collait pas, il était trop costaud. Enfin, ça colle pas, t'es trop costaud. Mais lui, il lâchait pas le morceau. Je vais pas te lâcher, Bertrand. On se marrait, il venait tous les jours dans mon bureau et Miu Miu qui faisait derrière des pitreries. Patrick, Patrick Dampiero. T'étais pas assez petit. Quoi? Quoi? Je suis pas assez petit? Je voulais un couple du genre Laurel et Hardy. Hein. Déjà que j'ai désingué la France, fallait quand même des repères. Je me suis dit, je vais me mettre derrière Gérard. Je vais lui dire ça. Je vais me mettre derrière Gérard et me faire plus petit. Ah, il pensait toujours que Gérard était meilleur que lui. Ça l'a hanté, ça, de pas être aussi bon. Gérard était très bon. Lui, c'était lui. Je vais lui dire ça. Je vais me mettre derrière Gérard et me faire plus petit. Bertrand ? Oui, Patrick ? Je vais me mettre derrière le gros. Banco, j'ai dit. Dans tous les plans, il s'est mis derrière. On le voit là, à l'arrière de la moto, et là, en train de courir, toujours à la bourre. Putain, on fait plus des gars comme ça. Ça fait vieux qu'on te dire ça, je coupe mes haricots. Mais c'est des comètes, des acteurs comme ça. Ça vient une fois dans un siècle. Un alignement de planètes, c'était des planètes, les trois. Des anges, des dieux. Et derrière, il y avait Miu Miu qui me faisait des grands signes, elle rigolait. C'était pas la dernière. On disait à Miu Miu, enlève ta culotte, remets ta culotte. Elle rigolait, tout le monde rigolait. À la fin des scènes, il y avait tout le staff dans le lit. C'était quand même la foire, je me suis dit, putain, on prend de gros risques. Et ils partaient avec les bagnoles de la prod. Ils mettaient la caméra sur le capot de la voiture et ils partaient. Un matin, on les a même pas revus, ils avaient fait des trucs qui étaient même pas dans le scénar. On est des personnages, Bertrand, on fait acteur studio. On faisait acteur studio toute la nuit. Patrick, il avait lu des trucs sur l'acteur studio, ça nous plaisait vachement, sentir les trucs, là, la vie. Les rôles, on les joue pas, Bertrand, on te les vit, les rôles. Et moi, je coupe des haricots, je te dis tout ça, je coupe des haricots. Les valseuses, c'est l'histoire de deux types qui se font chier. Trop chier. Ils ont envie d'un truc qui pète. Ils ont aussi vachement besoin de baiser. C'est un film où tout le monde a besoin de baiser. Comme s'ils avaient le printemps entre les jambes. Seulement, ils savent pas trop où ni comment. Il y en a un, il a tellement envie de baiser qu'il baisse son pote. Mais il restait pote après. Il fait un peu la gueule. Mais ça va. T'as écrit ça, putain, Bertrand, quand j'y pense, tu t'en faisais pas. Et puis il choure une bagnole. C'est Jean-Claude Le Cerveau. C'est moi, Jean-Claude. Il y a un casse. Des trucs se passent. Et Pierrot. C'est toi, Pierrot. Pierrot, mon personnage, se prend un coup de feu dans les couilles. Ça commence comme ça à ma vie au cinéma. Un truc bien saignant. Oui, la sauce tomate. On venait du café théâtre. On avait des astuces. T'avais la tâche, là, comme une nana, j'ai pensé ça. Ce mec, il a tout en lui. Et tout coulait pour de faux. Après, ils attrapent une champouineuse. Marie-Ange. En fait, on s'en cogne de l'histoire. Ce qui est important, c'est le trio. Pierrot, Jean-Claude et Marie-Ange. On s'en cogne de l'histoire. Elle nous fout un rogne, cette fille, avec son air... Tu sais ce qu'il dit d'elle, Bertrand? Elle était sympa, populaire et bien gaulée. Eh ben putain, c'est pauvre. C'est pauvre, je te le dis, par rapport à ce qu'elle était. Elle était tout, Miu Miu. On reprend? Vous, les garçons, vous aimeriez bien faire jouir Marie-Ange. Mais il y a un truc qui coince. Alors, ça vient? Oh.
Et là, pas tellement. Et là, toujours pas. Faudrait peut-être l'encourager. Marie-Ange, Marie-Ange. Ah, il y a un petit truc. Mais c'est redescendu tout de suite. C'est dans le scénar, ça, le petit truc. Quoi? Je peux quand même bien avoir un petit truc. Non, mais t'as eu un petit truc ou quoi? Qui a eu un petit truc? Toi ou Marie-Ange? Dans le scénar, j'ai rien. Je suis un mou de veau. C'est écrit ça dans le scénar. Marie-Ange réagit comme du mou de veau. Au revoir. Alors, ça vient? Coussi, coussa. Coussi, coussa? Attends. Je sais, mec. Tu sais? Faut la faire participer. C'est un truc nouveau qu'elles aiment qu'on fasse. Écoute, prends-en de la graine. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Marie-Ange? Ben, j'y ai pas vraiment pensé. Voilà! Elle s'est pas préparée au plaisir. Tu t'es pas préparée au plaisir. C'est ça ton problème. Faut que tu penses dans ta tête avant. Tu crois que ça tombe tout cuit? Moi, ton cul, j'y ai vachement pensé. Je me suis fait plein de films sur ton cul. Et toi, rien! Je me demande si Marie-Ange est un cas isolé ou si elle représente toute la jeunesse française. Parce que si elle représente toute la jeunesse française, ça craint. C'est dans le scénar, ça? Quoi? Ton aparté? Non, mais c'est pas possible. D'habitude, elles font des bruits. Pourquoi tu lui fais pas pousser des cris, Bertrand? Faut que tu pousses des cris. Si tu pousses des cris, ça va te motiver. Ça aide, ça. Faut passer par la forme pour trouver le fond. Ça marche avec la littérature, y a pas de raison. Tu lis de la littérature, toi? Putain, elle m'énerve. Ça va. Non, mais t'es vachement énervée, là. Aïe, tu me fais mal. Oh, non, mais... pardon. Non, mais faut être délicat, les gars, vous maîtrisez rien. On est censé bien rigoler pendant ces scènes. Faut maîtriser un peu. Moi, je joue plus si vous me faites mal. Je suis désolée, Mumu. Contrôle, c'est tout. Je suis vraiment désolée. On reprend. Faut peut-être la lécher. D'accord, si vous voulez. Attends, je me recharge. Tu quoi? Je me recharge pour être dans l'état. C'est dur de partir à 7, putain. T'annonces quoi? T'annonces quoi là? T'annonces la dépression des années 80? Là, on a tout fait avec Jean-Claude. On t'a retourné dans tous les sens. Donc la conclusion, c'est que c'est vraiment pas nous le problème. Même si j'ai un peu douté à cause de ma blessure, et figure-toi que je doute, Marie-Ange. Et même Jean-Claude, il doute. Même s'il le dira pas parce que ça le fait trop chier. Mais là, ça suffit. À force, tu nous rabais, tu vois ce que tu nous fais? Tu mesures ce que tu nous fais? Tu n'as pas l'air de bien réaliser ce que tu nous fais. Ce que tu es en train de nous faire à Jean-Claude et à moi. À nous faire perdre confiance, là, avec ton manque de confiance, là. Et si c'est pas dit clairement dans le film? Tu me fais trop chier. Même si j'avais l'impression que c'était clair dans le film, tu nous fais carrément super chier. T'es nul. T'es belle, mais t'es nul. T'es nul au lit. Non, mais des fois, je me dis que... Quoi? Vous croyez que c'est vraiment une expérience qui vaut le coup? Les femmes, elles ont pas joué pendant plus de 2000 ans et ça allait quand même. Non, mais c'est parce qu'on a envie que ça vienne pour nous. Si ça vient pour toi, ça viendra pour nous. Ça sera bien. Ça te fait pas drôlement envie que ça vienne pour nous? Marie-Ange, pourquoi tu pleures? Elle pleure parce qu'elle n'arrive pas à jouir. Tu comprends, toi? Tu comprends pourquoi elle n'arrive pas à jouir? Ah bah ça, non. C'est vraiment une énigme. Vous voyez? Il y a une énigme dans le scénar. Et c'est comprendre pourquoi Marie-Ange, elle jouit pas. Faut absolument le mettre dans un coin de notre tête et on y réfléchit. On y réfléchit tous ensemble. Et s'il y en a qui ont des solutions, on est preneurs. Parce que c'est pas possible. Je pense que ça doit devenir une question collective, une question de société. Ça peut pas rester un problème perso. Parce qu'elle fait peine, là, Marie-Ange. C'est pas possible, une fille comme ça, avec tout ce qu'il faut, avec tout ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle a? Nous deux, elle nous a. Vous pouvez pas faire vite un peu au lieu de me faire chier? C'est vous, à force, qui me faites chier. Vous pouvez pas faire vite comme tout le monde? Jouer vite fait, et puis on passe à autre chose. Ah non, c'est important pour nous. C'est important pour nous que tu jouisses autant que nous. On ne peut pas te laisser sans jouir, Marie-Ange. C'est hyper important. Vous m'emmerdez. Je mouillerai quand j'aurai envie de mouiller. Vous m'emmerdez là, être tous les deux sur moi. Tout va bien, je vous dis. Je mouillerai quand j'aurai envie de mouiller. Et
J'ai comme l'intuition que ce sera pas avec vous. Ah bah ça c'est vache, c'est vache, t'es vache Marie-Ange. Nous on te chauffe vachement et c'est un autre qui va en profiter. Ça c'est drôlement vache. Viens, laisse tomber Pierrot, on va faire un tour. Un tour écrit dans le Sénat ou pas écrit dans le Sénat? Ah zut, je me suis pas mis derrière. T'as un plan, c'est quoi ton plan? On va trouver une vraie femme, une qui a les crocs. Une qui sait ce que c'est le désir. Bon ben, au revoir. Ouais, salut. Non mais tu vas voir ce qui nous attend. C'est de la balle, de la bombe ce qui nous attend. Ouais c'est ça, barrez-vous. C'est ça, de toute façon c'est même pas vrai que vous m'avez fait mal. J'ai simulé que vous m'avez fait mal, c'était même pas vrai. C'est vous la modernité? Jeanne. Je suis Jeanne. Jeanne Moreau. Bonjour Jeanne, Miu Miu. Gérard, pour vous servir. Patrick, Dan Pierrot. Là, je suis Jeanne Pirolle. Dans ce plan, je sors de prison. On est au temps de Foucault. J'ai une arme dans mon sac et je meurs à la fin du film. Bonsoir. Oh là là, je ne m'attendais pas à vous voir. Hein. Quand je suis sortie, je ne m'attendais pas à voir ces loustiques. Dans la rue, vous m'avez fait peur. Toi surtout, Patrick, en Pierrot. Et toi, Gérard, tu m'as fait rire. Tu m'as plu. Ça faisait longtemps que quelqu'un ne m'avait pas fait rire. On ne se plaît plus. Mais les autres non plus ne vous plaisent plus. Jeanne, elle construit tout, j'adore. Elle a une table d'accessoires. Elle sait exactement le nombre de pas qu'elle fait quand elle vient vers nous. Une mathématicienne du jeu, Jeanne. Une experte. Vous avez vu comme elle joue? J'adore. Elle choisit même son costume. Nous, on arrive comme ça, avec nos fringues de la nuit. Mais elle, je sais pas, elle a un truc hyper précis. T'es belle en noir, Jeanne. Avec ton manteau neuf de Monoprix. Là, on est sur une plage du Nord. Il fait gris. On marche tous les trois sur la plage. Dans le vent. Il y a presque dans l'air une sorte de mélancolie. T'es pas mal non plus, Patrick Devers. Un peu vert. Mais il y a un je ne sais quoi, n'est-ce pas? Tu te penches pour ramasser une poignée de sable. Ça fait du bien. C'est mouillé. Tu t'accroupis. Et nous, on te regarde. Et il y a dans cette scène une infinie mélancolie. On te sent billet qui pleure. Avec ta tête épanouie. Arrête de pleurer, Bertrand. Il y a les petites cabines de plage. C'est une place du Nord. Toi, Patrick, t'as un peu froid. On sent que ça pénètre déjà la mort. On sent que ça te pénètre, le froid. Tu sais, Patrick, on fait de drôles de métiers. Faut tenir. Gérard, ça va aller. Mais toi, qui sait ce que tu peux devenir? Allez, viens, je vis avec nous. Eh oh, quoi? Toi, Gérard, je te vois venir depuis le début. Je te vois venir avec ta tête. Je sens que t'as un besoin d'un câlin, toi, Gérard. Je te vois venir avec ta tête qui veut un câlin. Et pas que ma tête. Avec tout qui veut un câlin. C'est l'ovale de ton visage pâle, Jeanne. Ça me fascinait. Ça me fascinait. Je vous fascine un peu, je sais bien. Patrick est un peu en retrait. Tu sais, Patrick, faut savoir venir en avant. Hein. Bien là, bien là. Bon. Je joue pas bien. Non mais c'est le deal, c'est pour le rôle. Ça va pas bien mon jeu. Patrick, je le sens frémir tout le temps. Oh, je joue pas bien. On sent le vent qui lui passe dedans. Non mais je joue. Viens avec moi, poussin. Vous m'encadrez tous les deux, mes jeunes, mes loulous. Je suis bien encadrée, moi, avec mes loulous. C'est terrible, terriblement beau, d'être doublement aimée. Dans ses 46 ans, elle est belle. Tu es belle, Jeanne. On va au resto? Belle, belle dans tes 46 ans. Il y a un restaurant désert? Hors saison. Moi aussi, pense Jeanne. Je suis une femme hors saison. Ils sont graves soudains dans cette scène. On sent qu'avec Jeanne, c'est pas pareil. Elle a été libre bien avant eux. Ils mangent des huîtres. Et on se laisse un peu aller à la musique.
Ça vous donne envie de vieillir très très lentement. Ça donne envie que ça passe pas trop vite le temps. D'être à l'abri de tout ce qui menace. Un peu de vin, Jeanne? Oui, Jean-Claude, merci. On entend les bruits de bouche. Les bruits de fourchette. Et puis la mer. Il y a le citron. Il y a les huîtres. Ils mettent du citron dans les huîtres pour voir si elles sont encore vivantes. Il y a des cendriers Ricard sur les tables. Et la baie vitrée. Et il y a le cinéma et puis c'est tout. J'aime beaucoup cette femme qui sort de 10 ans de réclusion. J'avais pas envie de la vachir, j'avais envie de lui donner de la dignité. Les huîtres bavent un peu. C'est bien. Tout est bien. Tout est bien. Et je sais que je vais faire l'amour avec les garçons. Jeanne sait qu'elle va faire l'amour avec les garçons. Dans sa tête, ça se dessine. Dans sa tête, le projet se dessine. Et dans son corps aussi. Ça vient un peu. Ça s'en va. Ça vient. Pour le moment, les huîtres et l'arme tout au fond, l'arme dans le sac. Y songe-t-elle? Forcément, c'est dans le Sénat. J'ai trop bouffé, pense Jeanne. J'ai peur d'un coup. Je veux pas que ça s'arrête. Ça vient d'elle. C'est elle qui dit la première. Ça vous dirait coucher avec une vieille? Et Gérard dit, oui, mais je vois pas de vieille ici. T'en vois une, toi? Où? Et c'est pas courant. En 1960, c'est pas courant. Quand même, ce renversement, et ça aussi, ça fait du bien. Ça fait du bien à toute la France, et on dit merci. Merci, Villiers. Il y a de la lumière, du vrai soleil et des vrais gens. Et un vrai bon moment entre eux, à trois. Et les huîtres, elles se sont vraiment rétractées. Et mortes en direct, les huîtres. Enfin, mon personnage! Passe-trempe, retrouve Marie-Ange au bord du canal. Et là, tu sais ce qu'elle nous fait dans ce fameux plan hyper connu au bord du canal de Bourgogne? Elle jouit avec un type qu'on connaît même pas. Elle se tape un type qui n'est pas nous. Et pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, je rappelle que je me suis pris un coup de balle dans les parties au début du film. Et on a beau être en pleine révolution sexuelle, il y a encore des représentations sur lesquelles je suis pas complètement détendue. Et ma virilité, puisque c'est ça dont il est question, elle en a sacrément pris un coup. Et là, tu sais ce qu'elle nous fait, Miu Miu, dans son rôle? Elle jouit avec un mauvais acteur. Un type, on a même oublié son nom tant il est mauvais. Il est pas naturel du tout. Il est raide, il parle faux. Et c'est avec lui qu'elle jouit. Tu te rends compte quand même, Gérard? Et en plus, il fait rien, le type. J'ai joui. On la fout à l'eau. Ouais, on la fout à l'eau. Elle leur raconte comment elle a joué, et eux, ils la foutent à l'eau. Vous vous rendez compte quand même, les gars? Vous vous rendez compte? Je vous raconte comment j'ai joué, et vous me foutez à l'eau. Je me passionnais pendant tout le film avec vos désirs. On vous suit partout, on vous suit en train d'humer des culottes, en train de faire jouir Jeanne, on te suit en train d'enculer Pierrot dans les toilettes. Oui, enfin, ce plan-là, je n'étais pas tellement d'accord. On vous suit partout dans les années 60, les barres paumées. On vous suit en train de vous éclater en bagnole, en train de faire jouir Jeanne. On vous suit... faire vos seuls petits coups. Et vous, vous me jetez à l'eau. Voilà tout ce que vous faites. Je dis un truc, juste un truc, pendant 2 heures de film. Et vous, direct, à l'eau. Alors que bon, quand même. Ah ah, j'ai joui, Pierrot. J'ai joui. Et ça, c'est fait. Et c'était très intéressant. C'était très, très intéressant. Donc, mais alors là, vraiment un truc. Alors là, je dis, sans commentaire. Et vous me foutez à l'eau. Ils me foutent à l'eau. Non mais vous vous rendez compte? Je me console là dans le lit parce que Jeanne est morte. Jeanne avec qui ils ont joui. Je me les prends là dans le lit, l'un contre l'autre. Je les fais des petites consolations. Et quand il m'arrive un truc à moi, un truc hyper important dans la vie des femmes des années 60, ils me foutent à l'eau. Non mais vous alors, c'est dingue. Tranquille les mecs, pas gênés. Allô les mecs. Voilà ce que je dis. Jeanne, viens, on les fout à l'eau.
Non, merci, Mouniou. Je vais jouir d'une interview avec un journaliste. Tous, salauds ! Allô, les journalistes ! Allô, allô ! Non, mais vous vous rendez compte ? Les types, tu ne suis pas avec eux, alors ils te foutent à l'eau. Ils ont les boules. Ah ah ! Vous avez les boules ! Non, mais c'est pas possible ! Mais elle va se taire ! Non, mais plusieurs fois, j'ai joui. Ah, ah ! Non, mais là, les mecs, je m'en fous. Je reviens pour vous le dire. J'ai joui. Ah ah ! Et toutes les nuits mouillées, je vais revenir vous le dire. Mais faites la terre ! Et vous savez quoi ? Le type avec lequel j'ai joui, des fois, je ferme les yeux. Juste, je pense très fort à lui, et hop, je jouis. Mais c'est chiant comme sujet, la jouissance féminine. Sans remuer ni rien, je jouis. Mais t'es dingue ! Rien avec vous, ah ah ! Elle est trop dingue, cette fille ! Ah ah ! Toute mouillée ! Mais vous la trouvez pas trop dingue ? Toute mouillée, me revoilà ! Ça va, t'as pas froid ? T'as joui ? Quand tu jouis dans Marie-Ange, tu jouis vraiment ou tu simules ? Non, mais parce que on aurait dit vraiment, et comme t'es toute mouillée, c'est difficile de savoir, et puis... Quoi ? Un peu... Quoi ? La cyprine ? La mouille ? Ben... Mais non, c'est le canal ! C'est le canal qui sent la cyprine ! En tout cas, tu simules super bien. On y a vachement cru à ta jouissance. Là, c'était très beau. Ton travail, c'était très beau. Tu sais... Non mais t'es sûr que c'était pour de faux ? Tu sais... Nous aussi, on peut simuler, je veux dire, on éjacule vite fait, mais c'est pas ça. C'est pas ça pour nous non plus. Tu peux faire semblant d'éjaculer du sperme. Ah oui. Ah bon ? Et tu fais comment ? Moi ? Je fais semblant. Et pourquoi tu fais ça ? Pour pas décevoir la fille. Pour qu'elle sente grandie, m'avoir fait jouir. Viens là, toi. Viens là, patate. Patate mouillée. T'es belle. T'es belle, Miumi. C'est dingue comme t'es belle. Plus t'es mouillée, plus t'es belle. Ah ! Quoi ? Tu jouis ou tu simules ? Putain ! C'est du vrai amour, dis-nous deux qu'on a ! Je coule ! Je coule, Patrick ! Oh là là ! C'est bon ! C'est bon, Miumi ! Oh oui, c'est bon ! Oh putain ! Je vais jouir, Patrick ! Je jouis, Patrick ! Tu sens ? Tu sens comme je jouis, Patrick ? T'as bien fait de pas mettre de culotte. C'est hyper pratique. Embrasse-moi ! Oh putain ! Putain ! On en a mis partout ! Ça craint ! Mais ça craint ! Patrick, il me manque tous les jours. Tu vois, les fous rires, tu les as deux, trois fois dans la vie, des fous rires qui te font chialer. Je ne pouvais pas chialer, mais ça coulait quand même. Putain, c'est les haricots. Tu savais que ça faisait chialer, les haricots ? C'est quand on retire les fils, ça fait chialer.
Des fois, j'écris des rôles, je me dis, c'est pour quand on va se retrouver avec Patrick. Tu vois, j'ai presque fini mes haricots. Mais attention, après, on va s'en boire une bonne rasade et on sera naze après, tu verras. Quand on aura revécu tout ce qu'on a vécu avec Patrick, on sera naze. Coupé. Fin de l'histoire.